Freestyle TV, salut, je fais une vidéo avec ma gueule. On est quel jour? On est mercredi 21, 22, je sais même plus. Il est 16h, je vais promener mon chien. Bon, j'ai un peu levé le pied là sur les vidéos parce que j'étais en train de partir dans un délire. Donc c'est l'écologie de l'action. Hein, genre quand on s'emballe, hein, persévérer diabolicum, et donc du coup je me dis non mais là tu es en train de faire du travail de cochon là, ça va trop vite, je dis trop de choses, et puis c'est pas du tout construit, mais bon, il faut comprendre, je suis un peu sous le coup de l'émotion, et donc du coup je fais des dépressions, après je passe de différents états dans la même journée, quoi, comme on me met la pression là, vraiment pour m'expulser juste après les fêtes. Et puis bon, ben, je vous ai envoyé un peu, hein, les altercations quand je reçois des menaces, des choses comme ça. Et puis bon, là j'ai appelé la maison du droit, et bon, il y a un juriste qui doit me rappeler, donc si on entend le téléphone, ça coupera la vidéo, ça donnera fin à la vidéo. Mais apparemment, je suis allé voir un peu sur le droit au logement. Bon, logiquement, hein, la trêve hivernale, on l'a fait sauter vraiment pour les gens qui occupent un domicile ou alors une résidence secondaire. Donc là, en fait, ils l'ont vendu, ils ont attendu que je répare tout, que je répare le toit, que je sauve la maison, que je nettoie tout, et puis ils l'ont vendu. Et puis ils l'ont vendu apparemment à des gens qui connaissent, hein, parce que ils ont mis un peu de temps à la vendre, et puis... voilà, ils ont fait comme au local, hein, quand ils m'ont tout volé, hein, ils ont vendu aux voisins, puis une fois que c'était vendu, bah, ils se sont permis de... Bon, donc là quand même, comme il y a une décision d'huissier, hein, apparemment dans le droit au logement, il faut que ce soit le juge, il faut que ce soit stipulé sur le jugement que le juge, je lui ai remis la lettre que j'ai écrite à Castex le 29 janvier, avant mon expulsion du terrain là-bas, il y a 2 ans. Et où donc je faisais la démonstration de mon arithmétique. Donc là j'ai fait quelques vidéos, hein, sur la chaîne au début, bon, où je les montre un peu vite fait. Mais bon, avec tout le travail qu'on a fait sur le groupe pendant 2 ans, là, je pense que bon, voilà, il y a suffisamment de témoins pour. Voilà. Quoi d'autre? Donc en fait, ce qui se passe, c'est que. En fait, je suis content un peu, moi, personnellement. Ce qui s'est passé cet été, voilà, donc j'ai fait cette fameuse découverte médicale dont j'aborde un petit peu de temps en temps dans quelques vidéos la question. Moi j'ai retrouvé toute ma santé en fait, hein, puis je vais retrouver mes cheveux, donc je suis au fond de moi, je suis super heureux. Et puis en même temps, bon, ce qui m'arrive, voilà, hein, c'est malheureux, mais moi je me bats, hein, j'assume, ça fait 10 ans que je fais ça. Que je me confronte aux institutions et à la justice et au droit pour leur faire part de ma vision il y a 10 ans de ça. Voilà, c'était plutôt, j'ai ouvert des squats pour leur proposer ma vision de l'écologie sociale, quoi, en fait, hein, comment on pourrait justement essayer de résoudre le problème du climat, parce que je sentais bien que à l'époque, que c'était les industriels et les banquiers qui se chargeaient de l'affaire du climat. Et j'avais eu le pressentiment à l'époque, effectivement, bon, quand on prend un peu de recul sur l'histoire, on voyait la vague d'austérité qui montait en Europe. Je connais bien quand même l'économie politique, surtout l'histoire de l'Europe, un peu, les stratégies internationales même, hein, sur ce continent. J'étudiais ça déjà, en fait, j'ai fait une terminale B, donc quand j'avais 17 ans, 16 ans, j'avais déjà des cours sur le GATT, hein, donc c'était le tout début de l'OMC. Donc je connais bien le problème de la mondialisation, et donc du coup je voyais bien qu'on était dans une dérive un peu sectaire, quoi, un peu beaucoup. Une dérive sectaire, et que ça devenait de plus en plus inquiétant. Parce que voilà, c'est vrai qu'il y a 10 ans de ça, voilà, on a commencé vraiment à se rendre compte qu'on était dans une ambiance de crise, ouais, à partir de 2008, hein, de crise un peu comme le jeudi noir, hein, c'était en quelle année? En 27, je crois.
une période d'avant-guerre en fait. Hein. Et puis bon, bah là, donc en 2020, vraiment, Macron a déclaré hein, la guerre au virus, mais bon, il a surtout dit, nous sommes en guerre. Et puis bon, j'écoute des conférences là un peu en ce moment. Et j'entendais le mouvement pour la paix, hein, ouais, qui était vraiment qui allait dans mon sens, enfin dans mon sens d'interprétation, hein, qu'en fait on est en guerre. Les militaires en fait sont rentrés en guerre contre les. Au service des multinationales, hein, de l'intérêt des multinationales. Et bon, ça a peut-être toujours été un peu comme ça, mais voilà. Vous voyez mon principe, quoi. Hein, c'est vraiment de revoir le problème. Dans son de vraiment tout au d'aller tout au fond du problème. Donc je vais faire une pause, je remets mes idées. Oui, voilà, donc je me sens responsable par rapport à ce qui se passe en ce moment en fait, mais pas vraiment pour ma propre vie. Voilà, ma propre vie, moi je suis prêt encore à me battre et à faire mes trucs dans mon coin. Encore, je suis reparti pour des années, quoi, comme j'ai retrouvé ma santé. Mais là, en ce moment, la conjoncture, elle est tellement inquiétante. Et en fait, sur Facebook, je vois les gens qui sont montés, qui sont... En fait, cette plateforme Facebook ou YouTube, hein, où en fait, on se parle par texto, par message, c'est, à mon point de vue, c'est tellement impersonnel que quand les choses vont mal en fait et qu'on aurait besoin justement en plus là en période électorale, on aurait besoin d'échanger, de se voir, de se réunir, et en fait on est cloisonné, on est derrière nos écrans, hein, donc on voit bien la dystopie et en plus bon, on communique par clavier, donc après quand c'est à l'image, bon c'est pas forcément instantané, bon moi j'ai créé Freestyle TV justement pour explorer un peu ce. Comme si, bon, voilà, la nature a horreur du vide, et donc, du coup, moi, je me faufile un peu dans les failles. Et puis, bon, j'ai cru comprendre que l'université était en crise aussi, en ce moment, vraiment, et puis, bon, que ça s'annonçait. J'ai revu, voilà, une interview d'une universitaire de Bordeaux, hein, la fille de Stiegler, Barbara Stiegler. Et puis, donc, je suis allé voir hier une conférence aussi sur Toulouse, là, sur le... c'est le Mirail, hein, là-bas, je crois, c'est Toulouse, enfin, c'est l'université de Toulouse, en fait, où il y avait des chercheurs qui ont créé carrément, ils ont créé un groupe, ils se sont retrouvés vite, carrément tous impliqués hein, dans le problème, hein, sur la question du chercheur militant, en fait. Parce qu'en fait, moi j'ai l'impression, en fait, que le gouvernement leur a demandé vraiment, mais vous servez à rien, en fait, vous. Déjà avec votre islamo-gauchisme, hein, on connaît la un petit peu, enfin c'est pas le gouvernement, c'est la tendance on va dire de l'époque hein, qui influence le gouvernement. Et donc on sait que cette peur du woke là, de l'islamo-gauchisme, c'est le LGBT, tout ça, les mouvements qui viennent des États-Unis en fait, hein, où il y a du communautarisme, ça part un peu, bon c'est les Américains, hein, ils partent comme ils sont plus libres de parole et d'action, ils vont plus dans les extrêmes. Hein. Les Américains, moi, je les vois un peu comme des adolescents qui sont un peu... Bref, mais bon, moi, mon travail, justement, il est d'essayer de trouver des ponts, en fait, entre tout ce qui nous divise, hein, de trouver des liens là où, en fait, on a du mal. Donc, on voit que les universitaires, bon, ils sont pas vraiment d'accord entre eux. Ils ont abordé la question de l'université, vraiment, de la complexité. Donc il faudrait que je retourne dessus, que je prenne des extraits, je vous explique dans le détail, mais là le problème c'est que je suis un peu dans l'urgence là avec cette expulsion imminente. Je suis pas tranquille pour travailler, j'ai pas l'esprit, je suis pas serein quoi, pour faire des bonnes vidéos bien détaillées et tout, mais là je m'entraîne hein, du coup dans ça. Je m'entraîne à m'exprimer longtemps comme ça, pendant une demi-heure, une heure tout seul, devant une caméra, comme ça, ça me fait un. Voilà, ça me fait. Hein, c'est comme ça, au moins quand je m'y mettrai vraiment, eh ben, j'aurai déjà un peu des heures de route, quoi, hein, des heures de vol. Donc en fait, l'idée c'est quoi? C'est qu'en fait, il faudrait que je fasse une vidéo en fait, où j'explique vraiment la problématique de que j'ai vécu, enfin une espèce de synthèse de ce que j'ai vécu pendant 10 ans. Hein. Et vraiment essayer de comprendre pourquoi la philosophie que j'apporte, elle est marginale, même par rapport à l'université. Hein.
Alors que moi j'essaie. Alors c'est vrai que j'arrive pas à passer les diplômes, j'aurais dû. C'est-à-dire que quand on passe. Mais comme je suis quelqu'un de très très sensible, trop sensible, même si j'ai les capacités intellectuelles, bon ça a été. C'est des notions qui ont été mesurées en psychologie. Hein, et que voilà, et du coup le stress de l'examen, plus tout ce que j'ai vécu en fait, et voilà, hein, puis j'ai 47 ans, mais même. C'est possible, donc du coup j'ai toutes les facultés, j'ai les facultés intellectuelles, mais trop de. Trop d'émotions qui m'empêchent vraiment réellement de m'adapter à ce monde, puis trop de choses en moi, hein, trop de. Voilà, j'ai une philosophie qui est beaucoup trop aboutie pour m'adapter en fait au monde d'aujourd'hui, hein, justement. Voir Barbara Stiegler, elle a écrit un livre à ce sujet-là. Donc j'arrive pas à m'adapter, et c'est sain, je pense, de pas réussir à s'adapter à un système comme celui-là. D'autant plus que bon voilà, en fait, hein, moi j'étais destiné un peu à une carrière voilà, un peu d'universitaire, littéraire, écrire des livres. Et on sait aujourd'hui l'industrie de l'édition, enfin la rémunération des auteurs, hein, à ce niveau-là, c'est pas vraiment pas grand-chose. Mais bon, j'aurais pu quand même essayer, hein, 1 € par livre, hein, j'ai entendu Louis Fouchet dire ça, qui gagnait 1 € par livre, bah, c'est déjà pas mal, hein, j'aurais peut-être pu le faire quand même. Donc bah, c'était mon intention, hein, moi, d'écrire un livre, d'écrire enfin des thèses, plusieurs livres, hein, même, hein, avec tout ce que je véhicule. Mais voilà, là je suis dans l'action en fait encore. Et en fait, je suis surtout inquiet pour le monde, quoi, hein, qui m'entoure, pour notre époque. Hein. Je suis inquiet parce que ça va vite en fait. J'ai l'impression que c'est un peu une exponentielle et cette montée néolibérale, et là on est à la fin de l'exponentielle et ça s'accélère tellement vite, cette offensive néolibérale qui. Enfin cette. Voilà, si quand je dis néolibéral, c'est vraiment on s'attaque vraiment en service à tous les. Par contre, je réfléchis sur ma théorie, hein, donc voilà, c'est vraiment, elle tient vraiment la route, hein, ce rapport, j'ai entendu encore, voilà, quand on prononce le mot d'État ou de capital. Non, on passe par là. Ok, on continue. Oui, donc j'ai testé la validité de mon hypothèse de 2012 en fait en écoutant ces conférences là dernièrement où la question de l'État, enfin c'est des interviews, la question de l'État, donc toujours en 2021, hein, la question de l'État et la question du capitalisme reste obscure en fait, hein, dans la tête des gens qui résistent. Hein, et du coup donc ça expliquerait pourquoi cette sur internet, hein, cette incompréhension, hein, on est dans une période d'obscurantisme. C'est ça un peu que j'aimerais vous parler dans cette vidéo. Et du coup ça fait monter la haine en fait de l'autre. Hein. L'incompréhension, et du coup on se retrouve de plus en plus divisé. Donc c'est les vaccins, et puis ce sera encore autre chose. Pour ou contre la guerre, pour ou contre voilà, hein. Je sais pas, mais en fait j'essaye de rationaliser un peu tout ça en apportant des solutions concrètes en fait, hein. La rationalisation, elle consiste à dire que si on interprète cette notion d'État et de capitalisme de manière physique, hein, vraiment comme un phénomène, un phénomène mécanique, hein, vraiment, mais pour de vrai, quoi. Enfin, c'est difficile à dire ça, mais ce qu'il y a, c'est que voilà, partant de ce principe de la spatio-temporalité, en fait, on peut établir une règle, en fait, une règle de compréhension, en fait, une grille d'analyse qui s'adapte donc pour interpréter ce qui nous arrive en fait du point de vue du pouvoir et de l'argent en fait, là, c'est le rapport au pouvoir, l'argent, la démocratie et les extrêmes, tout ça. Enfin tout ça, voilà. C'est une approche en fait que j'ai de la politique qui est un peu comme un oscillateur harmonique en physique. Hein, donc on prend un triangle, hein, et puis on fait osciller entre les deux côtés du
du triangle. Bon, un oscillateur, c'est orthogonal, mais si on le bascule un peu, ça fait un triangle. Hein, et puis l'angle, en fait, l'angularité, c'est, on peut dire que c'est la démocratie qui se balade entre l'extrême droite et l'extrême gauche. Quoi. Et en plus, on utilise nous la droite et la gauche, c'est très parlant. Donc, je voulais faire une vidéo en partant de ce schéma-là, et donc bien prendre le temps de peut-être la faire tout à l'heure, là, pour vous expliquer mon point de vue. Et donc, partant de cette théorie politique, ça devrait nous conduire à vraiment un dialogue, ouvrir un dialogue avec les physiciens, les mathématiciens, vraiment pour mon approche scientifique, l'arithmétique et tout ça. Et puis, cerise sur le gâteau, après, voilà, il y a ma guérison de calvitie. Donc là, c'est vraiment quelque chose d'important aussi. Mais bon, ça n'a rien à voir avec la politique ou le calcul des champs de particules, mais c'est peut-être pour essayer de situer ça dans notre espace-temps où, bon, non seulement on a une crise de civilisation du point de vue de notre compréhension justement de l'effet de l'État et du capitalisme, mais en plus on vit une crise médicale aussi, hein, sociale sur le corps, la santé, donc c'est peut-être aussi lié, pourquoi une nouvelle arithmétique, pourquoi une guérison comme ça, miracle un peu, voilà. Essayer de décortiquer, de voir qu'il y a du sens en fait à cette logique de compréhension. Oui, compréhension, je me mets derrière l'olivier, c'est très beau. Complexité, agir pour comprendre, comprendre pour agir, c'est de l'épistémoétique. La complexité, c'est pas simplement de la bioéthique ou de l'éthique, hein. c'est de l'épistémoéthique, hein. C'est comme ça qu'on me l'a enseigné. Donc du coup, c'est une démarche rationnelle, mais dans le sens où on fait une enquête, hein, on cherche en même temps. Hein. Donc, c'est pour ça que cette petite, c'est une émission de radio, cette petite émission là sur le... Où il y a quelques universitaires qui interviennent, hein, sur le problème du militant-chercheur. On voit bien que là j'ai soulevé quelque chose sur Facebook un petit peu avec mes laboratoires, j'ai soulevé un problème en fait entre le monde de la connaissance, hein, donc l'université, et puis la politique, hein, donc à mettre en adéquation la place des sciences aujourd'hui dans la société, et puis les crises politiques qu'on traverse actuellement. Ok, bon, on reprend. J'avais oublié de prendre ma laisse et je pensais que je l'avais perdu, donc je viens de taper une crise un peu là. Là, il y a mon squat, ma voiture elle marche pas, mon camion il marche pas. Donc je sais pas, l'huissier m'a dit qu'il allait pas les saisir, mais je suis en train de m'énerver un peu par rapport à mon expulsion, c'est normal, faut que j'anticipe, hein, parce que j'ai pas d'avocat, rien. Souvent quand je m'adresse aux administrations, en fait ils m'envoient, bon, voilà, vers d'autres administrations, ou quand je tombe sur quelqu'un, elle me dit qu'elle va me passer son supérieur hiérarchique, puis en fait rien du tout. Même au CMP, hein, que ce soit partout, je reste toujours, et puis on me dit toujours mais c'est pas chez vous, monsieur, vous n'avez pas de sans droit ni titre, donc. Et donc ça, c'est comme ça toute ma vie, quoi, en fait. C'est que j'ai toujours été resté tout en bas avec des gens qui n'ont pas forcément de responsabilité, quoi, hein, et puis qui sans connaître l'affaire comme ça à chaque fois, et qui me rabaisse, hein, donc en me faisant passer pour en voulant jouer sur tous les... Voilà, je vois la secrétaire de la DIL, c'est elle qui m'a... Ou alors la secrétaire aussi de l'huissier, hein, qui me dit oui, mais monsieur, alors qu'elle est au courant de rien, elle n'est pas juriste, et du coup il m'a pas rappelé le juriste en question, donc il me rappelle pas, donc du coup voilà, je me sens vraiment seul, parce que c'est vrai que quand j'ai écrit à Divisio et à Branco, c'était un petit peu pour montrer un peu, parce que bon, je me suis adressé à des avocats aussi de Perpignan, hein, tout ça, et à chaque fois j'ai ressenti vraiment une réticence. Donc en fait, voilà, c'est ce que je génère en fait, hein, ma manière d'être, de faire, de m'exprimer, hein, je pense, hein, je génère vraiment quelque chose de qui un phénomène de répulsion, hein, qui se produit à chaque fois, quoi, hein, une espèce de rejet systématique. Bonjour, comme si en fait le
notre inconscient était programmé vraiment pour fuir quelque chose. Donc j'essaie de creuser justement ce mystère en fait. Hein. Je suis tombé sur une vidéo aussi, je vais essayer de la traiter avec vous. Sur les écoles du mystère et tout ça, et en fait essayer de vraiment mettre les choses au clair sur ma position par rapport à tout ça. Voilà, et puis aussi je suis dans une situation aussi très délicate au niveau de la justice, au niveau de ce que je sais, du témoignage que je peux apporter, donc, et c'est pour ça du coup je me sens d'autant plus responsable quoi, d'une part par rapport à mes recherches voilà, qui me paraissent vraiment trop importantes là, surtout avec la découverte médicale, et puis d'autre part voilà, par rapport à mon militantisme où j'ai des dossiers comme ça sur plein de trucs, et puis bon ça se mélange forcément avec ma philosophie politique hein, économie, où j'essaye de proposer des solutions donc il faut absolument comprendre que, parce que j'ai entendu voilà Barbara Stiegler, c'était en avril 2021 vraiment, qui elle insistait de dire qu'en fait un universitaire, il doit pas arriver au bout de 30 ans de lecture, de connaissances, il doit un petit peu projeter son image du monde sur la scène publique en disant bon voilà c'est comme ça qu'il faut faire, il faut faire comme ci, comme ça. Non, un chercheur, voilà, c'est un processus qui s'arrête jamais, et puis il faut rester à sa place de citoyen quoi en fait. Hein. Voilà, un homme, une voix, c'est le principe en plus du suffrage universel pour les présidentielles. Donc voilà, moi c'est ma petite voix en fait, un petit peu, qui une seule voix, mais par contre, voilà, là où j'insiste un peu, c'est que c'est sur le phénomène philo-mathématique, forcément que les gens ne comprennent pas forcément, parce que ça appartient en plus moi-même dans le domaine de la philo et des maths, je suis vraiment perché. Donc déjà même les philosophes et les matheux ils sont là et qu'est-ce qui nous sort lui machin son truc là bas donc voilà, et je le comprends en fait avec le temps, et je passe par des états, donc dépression, colère, repli sur moi, et des fois c'est l'inverse hein, je vais m'exprimer à fond et hop je vais vers l'intérieur, vers l'extérieur, c'est mon axiomatique qui est un peu toute bousculée dans tous les sens, et en fait voilà l'idée en fait qui est ressorti là de cette petite pause où je me suis ouvert un peu aux questions que j'ai soulevées en fait. Hop, après je vais naviguer un peu, j'essaie de creuser la question, et je me dis que si l'université est en crise et les médias sont le monde du journalisme hein, aussi il est en souffrance hein, ils sont obligés de se soumettre à un ordre un peu totalitaire là, comme ça qui vient des milliardaires, et du coup bon bah voilà, la liberté de chercher, d'enseigner, la liberté de la presse, elle est pas représentée. Et en même temps, mon chien il vient de laisser un autographe sur la voiture de la dame. Je dis vous allez laisser un autographe, il pisse dessus comme ça. Elle dit ouais c'est pour dire bonjour. Donc ce que j'ai mis philosophie du chien, si tu peux pas pisser dessus ni le bouffer. Ni le baiser, je sais plus, pisse dessus, ouais, c'est ça, si tu peux ni le bouffer, ni le baiser, pisse dessus. Et en fait, j'ai repensé à ça. Si je pars du principe qu'en fait, la complexité, elle est pas... on va aller dans notre champ préféré, là où on compare les particules au brin d'herbe. Si la complexité elle n'est pas intégrée pleinement dans le corps universitaire, du coup forcément elle n'arrive pas à descendre vers la population. Quoi, donc il y a vraiment une grande tas de confusion, d'obscurantisme. Voilà ma théorie en fait, hein, ma conclusion. Et donc du coup ça profite vraiment aux sectes occultes en plus, qui occultent, c'est de l'occultisme, hein, donc ils occultent la vérité. Et du coup, ça explique toutes mes difficultés. Donc l'idée, c'est la crise des médias, la crise de l'université, c'est de faire un espèce de croisement, comme ça, de les mettre en équation, de les spatio-temporaliser. Et les médias, la crise des médias, l'université, la crise de l'université. Et j'ai entendu à un moment un et ça m'étonne pas en fait, cette méthode chinoise, japonaise,
par rapport à un enseignant hein, qui fait des cours magistrales. Et en France, ça passe pas, hein, cette méthode où le prof parle à une caméra. Moi, je l'ai vu avec Étienne Parizeau qui faisait son cours, il était très mal à l'aise. C'est vrai qu'il... Mais c'est pas pareil. Après, c'est... Cette rupture hein, entre l'enseignant et les... Parce que c'est ça, hein, l'idéologie, c'est ça. C'est pour ça qu'ils veulent détruire l'université, hein, je pense. Hein. C'est vraiment pour qu'il n'y ait plus de services publics, enfin des frais comme ça, de services publics, et que tout se fasse par le méta-web, quoi. Et j'ai vu aussi pour 2025, hein, Bill Gates, il veut faire des réunions, commencer des réunions comme ça, que ce soit professionnel. Voilà, hein, bon, ça se fait déjà pas mal, hein, mais... Et l'idée c'est d'essayer de trouver une université justement qui fasse la jonction entre les deux. Hein, donc le bâtiment qui est. Là elle disait, ça m'a fait rire, Barbara Stiglia, elle disait tous les bâtiments universitaires en France, ils sont énergivores en fait, ils sont mal isolés, ils sont mal chauffés et tout. Et je me souviens très bien, il y a 10 ans, j'avais écrit au doyen de l'université. Donc j'étais en sociologie, hein, et c'était en 2011, et j'ai fait ma formation bioclimatique en 2007. Hein, en 2009, j'étais sur les toits, j'installais des panneaux solaires et tout, j'avais bien compris la problématique de l'énergie dans le bâtiment, du problème de... Bon, on en parle hein, des fois quand j'aborde les trous d'air, les ponts thermiques, tout ce problème-là, quoi. Tous ces problèmes-là, donc j'en avais fait part, hein, justement à l'époque, en 2011, j'essayais de mettre en lien la... Tu vois, c'est plus joli quand je tiens, parce qu'au moins on voit la nature et tout. Quand je le mets de l'autre côté, parce que voilà. Je crois que je vais attaquer une deuxième de la suite, quoi, plutôt. Ouais, mais voilà, je vais repartir à nouveau dans des longues vidéos où je blablate, c'est pas ce que je voulais. Donc, enfin, moi ça me sert pour moi en fait, surtout quoi, hein, pour me réécouter, et c'est comme quand on écrit une page hein, de livre, hein, et on se relit après pour voir, ça m'aide surtout pour ça en fait, et je le fais depuis des années dans mon petit magnétophone en fait, hein. Donc cette crise du bâtiment à l'université, cette crise du coût de la fonction publique, hein, aujourd'hui on a un de rendement. Cette crise aussi au niveau de la formation, hein, où il n'y a plus les élèves, il y en a beaucoup qui font 1 an, 2 ans, voilà, c'est très sélectif. Puis cette offensive néolibérale, et puis en même temps, bon, l'emprise aujourd'hui des médias et des médias alternatifs, enfin du web, hein, sur nos vies, hein, YouTube et que ce soit YouTube ou Odyssée, voilà, on passe beaucoup de temps maintenant derrière nos écrans. À s'informer par nous-mêmes, voilà. Il y a une grosse vague d'informations faites et recherches, quoi, comme on dit, hein. parce qu'on a l'outil pour, hein. Mais voilà, un outil qui est dominé par le marché et l'appareil d'État, hein, qui avec Adopi, tout ça, qui régule le marché, en fait, hein. Donc c'est cette question-là que j'aimerais traiter avec vous en philosophie politique, et peut-être, voilà, si j'arrive à faire une vidéo... à nouveau comme j'ai fait pour le labo en mode stream. Ah non, c'est Cédric. Non, je réponds.